Yo les fraudes! Ça va les amis? Les gars, commencez pas à parler parce que Porto c'est fort. Porto c'est fort et ça va être très dur de les jouer, donc commencez pas à dire oh truqué. Si j'avais pu faire le tirage à la main, j'aurais fait exactement celui-là de A à Z, mais je vais sauter, c'est sûr. Coupe d'Angleterre, Arsenal a sorti United. La Carabao, c'est dans la poche, in the pocket. On a terrassé Chelsea en finale avec la manière. Après avoir terrassé Arsenal et City sur les tours précédents, mais tranquille, on dit que c'est Aston Villa, la corruption, que je paye les tirages, alors que j'ai que des tirages de fous furieux. Oh, bon, on se fait détruire. Hein. Ouais, ce match-là, on va se faire tuer, je pense. Je comprends pas comment... si, Tottenham, ils sont collés à moi, ils sont bons, en vrai. Ça sent le match sans. Nous, quand on fait un match sans, on fait pas semblant, on s'en prend 6. En général, c'est ça. Hein. Ouf. Ouf. Il a fait une Axel. Vamos! Le football mérite d'égaliser. Le football mérite... Putain, pas de Kings. Ah, oh, bah vas-y, avec Kane, l'autre, il fait 4 mètres, c'est bon. Péno. Mais putain, c'est quoi ce vieux truc? Putain, c'est honteux. C'est quoi ça? Il sert à rien, ce péno. N'importe quoi. Ça faisait longtemps que le goal, c'est la première bourde limite qui nous fait de l'année. C'est Beckham, Valverde, ok, excuse-nous. Après, comme j'ai dit, il vaut mieux perdre une fois 6-0 ou 6-1 que de perdre à chaque fois 1-0. Elle est connue, cette phrase, et elle est vraie. 26 journées, on est 3e, on a quelques matchs en retard, notamment avec les équipes derrière nous. Après, en soi, c'est ultra serré, il n'y a rien de fait, on a un calendrier de fou furieux. On a gagné la Carabao Cup, on a pris un titre pour ceux qui ne suivaient pas. On est en quart de finale de la Ligue des Champions contre Porto. On va jouer dans juste après City. Là, on reçoit City. On s'est pris une tôle contre Tottenham en coupe, tranquille. Mais on était sur une très grosse série. À chaque fois qu'on perd, on fait pas semblant. 6-0 à Liverpool, 5-1 à Tottenham. On est comme ça. Et puis voilà, on a une fin de championnat qui sera très relevée parce qu'on va jouer beaucoup à l'extérieur. On a du Leeds, Chelsea qui sont très bien classés. À la fin, on a Tottenham, United, on a Arsenal. Donc tout va être dur jusqu'à la fin. Non, Pings! Patkins! Quelle remise de Higgs! Mais quelle frappe de Patkins! Cette combinaison, les gars, ce coup franc de Télès, cette remise! Oh, ce roi! Allez! Allez! Oh là 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 là! Putain, je sais pas comment on va faire pour pas prendre de but dans ce match, par contre. À part chater, parce que. Pff, tu peux pas les empêcher de se créer des occasions. Oh là là, c'était super bien joué ça. Allez, lance Patkins! Bon, go, Patkins! Vamos! Quelle passe de Ings! 32e but de la saison, le futur BO! Non mais Ings, vas-y, Patkins! Oh, c'est trop, j'en peux plus! Oh là là là! Les gars, c'est le meilleur joueur de l'histoire des faits! Les gars, Ings, les 3 passes D! C'est pour ça, Ings, sur la passe, il est trop fort aussi! Aïe aïe aïe! Non mais là au moins on garde City à distance, c'est parfait pour la confiance avant de jouer Porto, nickel. On a été réaliste, hein. Franchement, parce qu'en première mi-temps il y avait, c'était kiff kiff niveau occasion. On a 12 points d'avance sur City avec 3 matchs en moins. Tu joues le titre? Non, c'est impossible, Liverpool ils ont une défaite je crois. Pour être champion il faut 4 défaites max. Oh le rageux contre Cessao, le succès de l'Eura n'est pas mérité. Je fais peut-être preuve d'amertume, mais je ne pense pas que Laura mérite son succès. Mais il est ravagé, lui. AC Milan, Barça, Aston Villa, Porto. Un doux parfum de Champions League. Ah, les gars, là, je mets Anthony, Adeyemi et tout. Je mets tout le monde, l'équipe offensive. On va mettre Rovella, ce qui nous a fait rêver. Et on va remettre la croix, et puis on est pas mal. Hein. Par contre, c'est 7 remplaçants, faut pas que je me fasse niquer. Allez, Télès, d'entrée. Plus Télès, il connaît Porto. Non! Le duo magique? Oh là là! Excusez-nous! Hein. En retrait? Mais Zakaria, il a déjà un carton, mais lui, il rend fou! Oh, c'est bien joué ça, aïe aïe aïe! Putain, c'est tellement pas mérité, putain! La tête, elle est incroyable! Oh, carte à droite? Oh, franchement, c'est pas possible! J'ai le mort! Putain, j'ai le démon là les gars, c'est franchement le pire c'est qu'on ça joue bien quoi. Ils ont une demi-occasion sur Sand qui est cette tête, c'est abusé. On mériterait de mener 2 buts quasiment, on est mené quoi, ça fout le mort. Zakaria, je vais pas tarder à le sortir, je crois que je vais mettre Tolisso à sa place.
Allez, s'il te plaît, Patkins. Putain, mais c'est trop! Il a mis un triplé contre City, il loupe 3 face à face là. On aurait pu en mettre 4. C'est pas possible de pas marquer là. Vamos! Le roi Patkins, enfin! Magnifique. Péno. Allez, remets-la au centre. Quoi? Elle rentre pas! Mais. Allez. Péno. Oui, il y a Péno. On l'a tous vu. Fais rêver, Ping, s'il te plaît. C'est pas le moment de louper, putain. Vamos! La réaction de ce grand club de Kev Arstonville. J'ai l'impression qu'ils ont fermé la boutique définitivement. Enfin, franchement, les gars, c'est terrible. C'est un match, honnêtement. On aurait pu gagner 3-0, genre, et plier l'affaire. C'est ça qui est frustrant. Et là, on se retrouve où c'est limite, tu vois. C'est terrible avant d'aller chez eux. Oh! Il y a des boulevards. Hein. Les deux entrants, Buendia pour Eze. Quelle reprise! Allez. Non, allez, le quatrième. Allez. Vamos! Buendia, double passe D. Vamos! 100% mérité, ça reflète le match. On doit gagner 4-0 ce match, tellement on a eu d'occasions. Allez, le cinquième si on peut. Le cinquième. Buendia, grosse entrée, deux passes D. Hein. Vamos! Allez, 5-1. Voilà, contre Cessao, t'es où maintenant? Va pleurer, je trempe mes cookies dans tes larmes, contre Cessao. Va chouiner maintenant, qu'est-ce qu'il va dire cette fraude? Putain, on a mis 5 buts en une mi-temps, les gars, quand même. Voilà, Barstone, ce que c'est, les gars. Eh, 3,28 XG à 0,50, ça va. Milan, ils ont battu 2-1 Barça, les gars. Là, les noms, on croise. En demi, si on y va, on rencontrera une des deux équipes. Je pense que Paris a fait le plus dur, Liverpool, je pense que c'est plié. Putain, Léo, les gars, le gout pourtant. Zakaria n'a toujours pas pris de jaune, j'avoue, c'est un mauvais signe. Bon, en tout cas, la charnière Lacroix et Luis Felipe. Heureusement que Luis Felipe, on l'a pas perdu, parce que putain. Allez, Télès. Quand ça passe par lui, c'est un régal, tu sais que ça va être une passe de ouf tout le temps. Lui, c'est n'importe quoi, lui. Ok. Au moins, à l'extérieur, on voit qu'on est capable aussi de faire des trucs. On l'a vu en Ligue des Champions, en phase de poule. Il y avait Lyon, Dortmund, Barça, on n'a pas perdu un match. Putain, si on arrive à pas perdre ce match, ça fera combien de matchs de Ligue des Champions? 8, 9, 10, ça ferait 10 matchs. Le hors-jeu, je crois. Je crois qu'il y a un petit hors-jeu. Ça ferait 10 matchs sans défaite. Vamos! Putain, les gars, on va faire une demi de Ligue des Champions. Contre Milan ou Barça, ils sont en train de craquer pour tout. Tu vas jouer qui en demi? Milan ou Barça? Et Milan a gagné 2-1 à l'aller, mais c'était au Milan. Du coup, c'est serré, quoi. C'est chaud. On va voir, là. C'est le Barça qui passe. Ils ont gagné, c'est quoi, prolongue, Péno? Putain, les gars, on y est. Putain, là, ça va être chaud. Bon, après, quoi qu'il arrive, on aura fait une belle saison, mais là, ça va... Aïe. Vous en pensez quoi? Ils nous font un bon résultat aujourd'hui pour avoir nos chances lors du match retour, non? Pas eu trop d'effet, mais tranquille, j'assume. Au début, je vais essayer d'endormir un peu le match, après, on verra. Allez. Faut être réaliste. Vamos, Adeyemi. C'est ça, faut être réaliste, même si on souffre. Ouais. Non. Putain! Pas possible. Dommage, fallait le tenir plus longtemps que ça, ce but d'avance. Pas de perte de balle à la con, moi, c'est tout ce que je demande. Oh, la croix, bah, vas-y, va au bout, va, fais ta vie. Mais va. Dommage. Péno. Mais oui, l'anglais. Quel frère, l'anglais, les gars. Maintenant, faut que Pings y fasse le taf, putain. Déjà, toi, nous douille pas. Attends, parce qu'en vrai, il est pas accepté encore. Vamos, lui, il tremble pas. Mais putain, les gars, on a plus d'XG que, hein, mine de rien. Tu vois, en prudent, machin, on les endort un peu. Pour le moment, on a 1,15, ils sont à 0,56. En vrai, on fait une première mi-temps bien. Hein. J'ai même plus de possession chez eux, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Allez. Rouge. Dernier défenseur, au dehors. Quoi? C'est bon, Barcelone, c'est trop. Putain, la croix qui rate. Putain. Oh, faut aller dessus. Putain, c'est chelou là le match. Je sais pas, il prend une tournure bizarre. Là. Non. Pourquoi l'autre il stage au ralenti? Les deux il stage. Tu connais? Mais c'est pas possible. Mais comment? Mais c'est abusé là en deux fois. Mais non. Péno. Obtiens un péno. C'est bon, c'est trop. On finit mieux qu'eux, c'est dommage, parce que là, on aurait pu mettre le troisième. Encore, ça reste comme ça va, mais si on s'en prend un... Oh là là, ça part, là.
Vamos. Mon gardien, mon crack, ma pépite. Au niveau des XG, c'est égalité parfaite, possession quasiment pareil. Ouais, 6 minutes, 12, non? 12? Vous voulez pas en mettre 12? Fais faute, 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 faute. Reprends-lui, ça passe pas. Sèche-le, voilà. Pars. Sif, sif, maintenant, sif, sif. Varston Villa est grand, les gars. Alors au moins, on a notre destin entre les mains à la maison, c'est beau. C'était un beau match, hein. Il s'est passé 1000 trucs. À un moment, on aurait pu mettre le troisième, et après, c'est eux qui ont eu des occasions. C'est rendu coup pour coup. Quelle équipe, quel coach, quel club. Incroyable, hein, les gars. Putain, on a un match à la maison pour être en finale. Vous vous rappelez qu'on rigolait sur Watkins et tout Ballon d'Or, mais en vrai, si on arrive en finale, même si on perd en finale ou quoi, tu sais, ils vont pas être loin parce que en PL, ça aura fait quelque chose. On a gagné une coupe. Si on va en finale ou quoi, ce sera incroyable. En vrai, il sera dans la discussion pour de vrai. C'est grave quand même. Je vais jouer en équilibré de toute façon. Ils ont la même équipe qu'à l'aller, j'ai l'impression. Va être en sueur. Oh, il flotte. Oh, c'est pas grave, ça, je pense que ça nous arrange. Allez, Rovella, mon crack. Dommage, dommage. Mais à Télès, le... Magnifique, la passe. Oh, dommage, Anthony, putain. Chelou, le match. Hein. Il se passe pas trop de trucs. Bon, on a eu juste notre occasion, mais... Après, c'est un rythme qui me va. Hein. Allez, allez, allez. Oh, Patkins. Oh là là. Non. Putain, Coutinho. T'es vraiment, t'es chez moi. Marque pas contre nous. Allez. Magnifique. Bim. Excuse-nous, Zizou. Oh là là, Anthony, cette reprise. Incroyable. Adeyemi la passe et la reprise. En plus, Anthony, c'était à deux doigts de le mettre sur le banc sur ce match. Allez, 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 allez. Non, je la voyais dedans. Putain, Adeyemi, les gars, il va sortir. Hein. Ah, je suis dégoûté. Putain, lui, il est important. Bah, Anthony va basculer à droite. Hein. J'ai l'impression qu'Anthony, c'est son match. Il a l'air chaud bouillant. Allez. Oh, dommage. Putain, Patkins, tu dois la couper. Mais non, mais mettez-le, le deuxième. Bon, de toute façon, il y avait hors-jeu, mais on sait pas où il est, leur hors-jeu. Ça, on aurait dû le plier, ce match. Hein. Allez, pliez-moi ça. Va, mon roi. Non. Putain. Chan va être en sueur à la fin, c'est sûr. On surdomine, mais il n'y a pas ce but de merde. Je vais tout casser. On va se prendre une clim, c'est sûr. On aurait dû en mettre 5 des buts. On est incapable d'en mettre un, putain de merde. Plie Patkins, allez. Allez. Putain. Pourquoi ils sont tout seuls? Il était hors jeu, mais oh là là là, j'étais en sueur là. Allez! Putain, Patkins, il a bouffé la feuille sur ce match, il peut en mettre 3 hein, à lui tout seul. Vamos! Non mais les gars, là, s'ils reviennent, c'était un vol absolu. 2,04 à 0,69, 15 tirs à 3, on les a bouffés. Vamos, la finale! Tiens, même Xavi, il l'a dit, nous ne méritons rien. Si nous avions mérité de nous qualifier, nous aurions remporté ce match, un point c'est tout. Voilà, voilà quelqu'un qui parle, qui dit les choses. Ah, il serait à la Coupe du Monde des clubs, les gars. Oh là 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 là, l'année prochaine. Ouais, mais là, il y aura trop de matchs. Oh, Liverpool, je déteste les jouer. Après, Paris, ça a abusé aussi. C'est Paris en finale, les gars. Putain, c'est le destin face à Léo. Face au Gout, les gars. Paris va gagner sûrement sa première Ligue des Champions, les gars. Imagine, c'est Messi. Mais c'est sûr, c'était écrit. Mais Messi, il va me mettre la misère en finale. En vrai, là, je joue Tottenham, Newcastle, QPR. Le truc, c'est que Paris, putain, je les joue... Bah ouais, je les joue tout à la fin. Ça va être chiant parce que j'aurais joué 3 fois à l'extérieur et Manchester que des gros matchs. J'aurais aimé avoir une fin de championnat un peu plus tranquille. J'espère qu'on arrivera en forme pour la finale. A few moments later. Bah, plus de morale. Il va falloir tenter la réunion, les gars. On n'a pas le choix. La réunion. Au final, on finit 3e. Bon, c'est pas mal, mais... Mais les gars, comment voulez-vous gagner une finale d'LDC si sur les 10 derniers matchs, t'en as gagné un? Enfin, je sais pas, je pars de ce principe qu'il y a un gros souci quelque part, hein. C'est effrayant. Alors qu'avant, regardez, on perdait pas avant. Regardez, on compare à avant, là, tout était au beau fixe. D'un seul coup, on peut plus gagner un match. Ouais, on va faire la réunion. J'ai pas le choix, de toute façon, c'est qui tout double. Et pourquoi je peux rien leur dire d'autre que ça? Furieux. Bébé, je pouvais rien leur dire d'autre! Bah, fallait rien dire. Mais on pue la merde. Pourquoi faut rien dire? Le message, il était logique. Sur les messages, le jeu, il est éclaté. Watkins, meilleur buteur. Ouais. Le rat entraîneur de l'année. Honnêtement, je mérite pas de l'être. Là, on vient d'être honteux, donc je mérite que dalle. Y a que Watkins, on sait tout Liverpool dans le 11 de l'année. Oh. Ok? Ça se joue là, les gars. Là, les gars. Les gars, faut pas se tromper. Là, on peut terminer l'équipe.
Ou alors redonner un petit up de confiance. Là, faut pas se tromper, les gars. Non, ou alors je suis très fier que vous ayez atteint cette finale et même si vous voulons. Bien sûr, tous la remporter, la pression n'est pas sur nous, alors cherchez avant tout à prendre du plaisir. On est d'accord, les gars, on se met d'accord sur la 4? Putain, si la 4 elle passe pas, les gars, on est mort. Ok. Au moins, on a fait le bon choix, les gars. Putain, le moral des joueurs, il est affreux, les gars. Il est catastrophique. Je vois ça, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, je suis pas bien, quoi, je vous dis les choses. Bon, on part comme ça, les gars, avec notre 11, on va dire. On n'a rien à perdre dans ce match, on sait ce qu'on vaut, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Nous avons des supporters fantastiques, c'est eux qui payent nos salaires, donnez-vous à fond. On en pense quoi, les gars? Donnez-vous à fond et remportez ce titre pour eux. Moi, celui-là, ça me parle, le côté supporter, non? Mesuré, motivé un peu. Bon, ça a pas eu d'effet négatif, mais bon, ça a pas été fou. Attends, c'est quoi leur équipe? Hakimi, Ramos, Sinacho, Mendes, Marquis devant la Def, Wijnaldum, Carvalho, Messi, Neymar, Icardi. Putain, ça va être chaud. Ils ont une équipe, elle est... Oh, c'est Léo. Oh là 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 là, Léo, il commence, il fait des picous, je suis déjà en panique. Non. Allez, prends-la, va! Ah, Patkins! Allez, 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 allez! Ah, la croix! Cet assassin, la croix, putain. Il y avait moyen, la passe en retrait, elle était bien trouvée. Enfin, en vrai, on fait une entame de match pas mal. Hein. Là, j'aurais peut-être pas dû parler, mais on fait une vraie entame. Hein. Mbappé, là, au Bayern. Il court! Mais il va de à l'heure, Anthony! Surtout Rovella, c'est un crack. Allez, Patkins, obtient un péno. Allez, c'est encore pour eux. Non, c'était sûr que c'est lui qui allait me punir. Putain, Carvalho, c'est quoi cette passe qu'il nous a fait, là? Puis en plus, on est trop nul devant le but depuis quelques temps. Ça qui est dur, on a du mal à marquer en plus maintenant. Putain, le dernier geste, c'est n'importe quoi. Toujours la dernière passe. Ah, vas-y, Icardi, c'est De Bruyne en passe. Après, quand il touche la balle, t'es en sueur à chaque... Ouais, magnifique. Je crois qu'il y a hors-jeu, mais bon... Ouais, si... C'est serré, mais ils ont la confiance qu'on n'a pas. Les gars, positif, on tente. Comme ça, on n'a pas de regrets. Si on se prend un deuxième, on se prend un deuxième. Mais on fait quoi? On commence cachant positif? On a mis un but sur les 8 derniers matchs. J'ai l'impression qu'on marque plus de buts. C'est ça qui est terrible. Avant, on avait nos 3 joueurs sûrs devant pour marquer. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus un qui plante. Non, mais non. Mais ici, il va nous mettre le deuxième là-dessus. Mais t'as pas le droit de faire faute sur ça. Oh là là. Obtient un péno, c'est tout ce qui peut nous sauver, je crois. Allez, allez! Mais fallait tirer! Centre pour Patkins. Mais non, non! On a des occasions, hein, putain! Non, mais franchement, sur le match, on fait jeu égal. Hein. C'est kiff-kiff, hein, c'est dommage. Hein. Bon, on va aller jouer un peu plus haut, les gars. Bon, je pense qu'on va se faire niquer en compte, mais de toute façon, on n'a plus trop le choix. Télé, je vais le mettre comme ça. Adeyemi, on va le mettre encore plus offensif. Anthony, je vais le sortir. C'est trop les blocs auto, ils sont trop forts derrière à chaque fois avec leurs blocs auto, c'est trop. Allez, centre, centre. Mais putain, ils mettent trop. Les gars, j'ai envie de les insulter, il y a la place 10 fois. Mais à chaque fois, il y a les blocs auto ou alors ils font la passe trop tard, vous voyez ce que je veux dire? Oh, vas-y, toi, tu rends ouf, toi. Ils font beaucoup d'erreurs en passe. Allez, Patkins, tire, péno. Vamos! Vamos, Patkins! Le roi Patkins, c'est mérité. Vamos! Allez, une clim à la fin serait magnifique. Dans le dos, une passe magique. Allez, 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 fais rêver. Allez! Vamos! Patkins! Vamos! Quelle passe! Oh là là! Il est venu couper au calme. Oh là là! C'est qui fait la passe, les gars? C'est Noni, non? Je mets quoi, les gars? Prudent. Là, je suis obligé de me remettre un cran plus bas. Est-ce que je joue en équilibré ou prudent, les gars? Maintenant, c'est ça les questions. Là, je suis obligé de me remettre en normal pour pas prendre une balle en profondeur dans le dos. Ça, j'ai pas le choix, les gars. Moi, je pense, les gars, prudent et gagner du temps. Je suis obligé. Non, mais c'est quoi? Il lui fait une touche à lui. Je suis trop en panique, là. Ah, mais si, oh là là, je me mets en défensif, les gars, non mais... Respire, mais comment tu veux respirer, là, t'as vu les occasions, la frappe à Messi, elle rentre, c'est pareil. Dégage devant, on t'a dit. Vamos! Patkins BO, les gars! Avec une équipe qui a plus de morale, plus rien. Eh, les gars, Patkins, ouais, Paris est maudit de fou.
Non mais c'est incroyable, deuxième saison Carabao LDC. Comme quoi le jeu est réaliste de fou. Franchement les gars, quand ils ont ouvert le score, je pensais que c'était fini tôt parce qu'on n'est pas en confiance et tu le sentais. Deuxième trophée de la saison pour Aston Villa. Invaincu en Ligue des Champions les gars. 11 victoires, 2 nuls sur toute la Ligue des Champions. Le rat écrit une page d'histoire pour les supporters d'Aston Villa. Les dirigeants ravis, vous avez intérêt à donner des thunes. Hein. Eh les gars, Watkins, il est ballon d'or. Ça va vraiment devenir... Les gars, 43 buts, 10 passes des 11 buts en Ligue des Champions, doublé en finale. Les gars, il est estimé à 90 millions là maintenant. Villa en fin de saison, les gars, qui l'eût cru? Déjà la Carabao, j'aurais signé, mais... On a quand même joué 4 fois le Barça, 2 fois Dortmund, 2 fois Lyon, 2 fois Porto et Paris. On a fait un perfect en Champions, les gars. Oh là là, réputation du club, les gars, regardez, elle est passée à 4,5. Du coup, là, on peut attirer taquet de joueurs. Entraîneur Bruce Lora, entraîneur du mois en PL, entraîneur de l'année. On a tout pris. Meilleur buteur, Patkins, 43. Meilleur passeur, Buendia, 15 passes, alors qu'il était souvent remplaçant. Homme du match, Patkins, 11 fois. Meilleure moyenne, Patkins. Match sans encaisser de but, 19 clean sheet le goal. Achète un attaquant. Là, on a déjà pris Gabriel Jesus, Kaloulou et Bakou. Donc après, en vrai, on va voir avec les thunes qu'on aura, ce qu'on va vendre et tout. Allez, Varston, à la prochaine. Ciao, ciao les fraudes.